Je m'appelle Damien Lacaze et je suis pilote de parapente. Ça fait une quinzaine d'années que je vole maintenant. Avant ça, j'ai fait pas mal d'alpinisme et de montagne en général. Progressivement, j'ai un peu délaissé la montagne pour des bouts de chiffon et essayer de les survoler plutôt que de grimper dessus. J'ai grandi dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, avec un papa guide et ça fait 15 ans maintenant que je suis dans les Hautes-Alpes. Le parapente, j'ai commencé à la base pour descendre des montagnes avec des copains montagnards, et puis en fait j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite adoré le thermique, donc 3-4 ans j'ai passé le diplôme d'état de BE parapente, et après je me suis mis à la compétition de distance, et je suis resté une dizaine d'années au sein du Pôle France, à faire des compétitions un peu partout dans le monde, jusqu'à ce que je me mette au vol bivouac en 2013, donc c'était une manière pour moi de revenir un peu à mes premiers amours, le côté un peu plus sauvage et un peu plus en connexion avec la nature par rapport aux compètes qui reste quand même de la Formule 1 du parapente, donc c'est hyper formateur, c'est hyper grisant, mais je m'étais éloigné pendant quelques années de ça quoi, et donc le vol bivouac ça m'a tout de suite plu. J'ai commencé en 2013 avec Nicolas, un copain de la vallée d'ici. On a traversé l'Atlas donc au Maroc, depuis Agadir, depuis la côte atlantique, jusqu'à Rich, une petite ville 650 km plus à l'est. Ça a quand même été une révélation et j'ai plus cessé de penser à refaire ça un jour. Ce qui a été fait en 2018 après avec Antoine Girard au Pakistan, où on est parti un mois et demi sur les plus hauts sommets du pays et du globe quasiment, dans le massif de l'Hindu Kutch, du Karakoram et de l'Himalaya. Voilà, on en a fait un film qui s'appelle Lost in Karakoram, qui a été primé à la Coupe Icar et qui maintenant est sur Netflix. Et en parallèle du vol bivouac, je me suis mis aussi en 2016 aux courses de marche et vol. Donc c'est un peu comme du vol bivouac, on marche et on vole, on n'a pas le droit d'utiliser de voiture, sauf que c'est une course. Petit esprit compétiteur qui est revenu là. Et le but c'est de boucler des parcours un peu comme la compétition de distance, mais c'est des parcours plus longs qui durent plusieurs jours, entre 2 jours et 15 jours, suivant les courses. Et puis en 2021, j'ai été sélectionné à la Red Bull X-Alps, donc la course la plus connue et la plus dure du milieu. Et j'avais une équipe super avec qui on a passé vraiment des bons moments. Je voulais le vivre plus comme une aventure que comme une course pour performer, parce que c'était déjà une victoire d'être là. Et je voulais vraiment savourer tous ces moments-là, et c'est ce qui s'est passé. Et ça a mine de rien très bien marché sur les 9 premiers jours. Ça a été un peu plus dur sur les 3 derniers là, avec une pénalité et quelques erreurs qui ont fait qu'on a perdu le top 10 à la fin. Cette année j'y retourne, donc en 2023, avec l'envie de faire mieux, peut-être un peu moins de découvertes et essayer de performer un peu plus, on verra. Toujours dans l'esprit de prendre tout ce qu'il y a à prendre pour se faire plaisir et pour profiter de ces moments-là, parce que c'est quand même une aventure qui est immersive pendant 10 mois, à partir du moment où on commence la sélection jusqu'à la course, avec une équipe de 7 personnes, mine de rien. On sera 5 dans le camion, mais il y a 7 personnes qui me suivent depuis le mois de septembre. Et rien que ça, c'est génial, donc il faut essayer de savourer tous ces moments-là.
l'entraînement, jusqu'à présent, là, c'était basé sur pas mal de ce qu'on appelle endurance fondamentale. Donc, le max de volume que je pouvais faire à assez faible intensité. Et j'ai profité aussi d'hiver pour faire une grosse base de ski de rando, parce que c'est facile de faire du volume et de faire du long. Et c'est pas traumatisant. Je fais du skating aussi entre midi et deux, parce que j'ai la chance d'avoir des stations pas très loin. Et mon problème à moi, c'est toujours le même. C'est que j'ai du mal à me dégager des grosses plages de temps pour faire du gros volume, parce que j'ai un boulot et trois filles à la maison. En fait, la vérité, c'est que je fais ce que je peux quand je peux. Je fais entre 12 et 15 heures par semaine de sport. Après, sur ça, il faut rajouter le vol qui va bientôt arriver parce qu'on arrive au printemps. Et ça, vu que le temps n'est pas extensible, il faudra que je le prenne sur quelque chose. Et ça sera sûrement un peu sur le temps d'entraînement à pied aussi. Cette année, ce que j'ai changé par rapport à l'an dernier, c'est que j'ai fait pas mal de renforcement musculaire, beaucoup plus qu'il y a deux ans. On verra si ça paye. C'est jamais très marrant, mais ça a l'avantage que j'arrive à le faire quand je suis seul avec mes gamines. On le prend un peu comme un jeu et elles jouent avec moi à faire des étirements et des pompes, là c'est rigolo. Et j'espère que ça m'aidera à moins me blesser. Ça c'est bien aussi. Ouais, alors le parcours 2023. Sans surprise, on va pas faire un grand tour en France, c'est un peu dommage pour tous les Français, on est tous un peu tristes de ça. Et on a fait une croix sur finir la course à Monaco et vraiment traverser les Alpes comme ils ont fait jusqu'en 2019. Et c'est globalement presque le même tour qu'en 2021 avec quelques variantes au niveau des points de passage, mais dans les grandes lignes c'est pareil. On fait une grande boucle vers l'ouest par le nord des Alpes, on fait le tour du Mont Blanc et on revient vers l'est par le sud des Alpes. Donc ça, c'est pas non plus dénué de sens, c'est des grandes autoroutes aérologiques, c'est un parcours intelligent. Du coup, si on fait un focus un peu plus sur le parcours, c'est bien parce que les courses que j'ai faites précédemment, la Dolomiti Superfly en 2020 et en 2022, l'Eiger Tour en 2022, ça, c'est pile dans des zones qu'on va traverser à la Aix-Alpes et c'était des zones que je connaissais pas bien, donc les Dolomites, l'Oberland Bernois pour l'Eiger Tour. Et là, ça me permet d'avoir à peu près 80% de. Je pense au moins 80% des 1200 km de course que j'ai déjà volé. Ça veut pas dire que je les connais, mais j'y suis passé quoi. Et rapidement, pour mener à bien un projet comme ça, forcément ça représente un gros budget. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais il y a aussi de l'argent, des sous et du matériel. Et pour ça, donc, je remercie énormément mes partenaires qui font que cette course est possible. Donc, dans le Parapente, il y a Ozone, il y a Sea Ride. Après, il y a Curiose qui nous fournit un camping-car. Et dans les partenaires financiers, on a Vercors, une boîte de Grenoble. On a Efficity, une boîte de Cham dans l'immobilier. On a Ludo, mon pote Ludo qui est charpentier ici. On a Bardonext. La Fédé qui nous aide aussi, Evilai qui nous fournit en lunettes haut de gamme faites en Autriche. Et le petit dernier, c'est Freedom Parapente, une école de parapente dans le Puy-de-Dôme.